La vie de Sami Nasseri, star dans Taxi. Saïd Nasseri, dit Sami Nasseri, est un acteur franco-algérien. Il fut révélé pour avoir interprété le rôle de Daniel Morales dans la saga cinématographique Taxi de Gérard Pires et Gérard Krafcik. Ces films lui permettent de devenir une vedette dans les années 1990. Sami Nasseri est né le 2 juillet 1961 à Paris, d'une mère française, originaire de Normandie, et d'un père de l'Ouest algérien. Élevé dans un logement modeste rue Saint-Martin avec ses 6 frères et sœurs, dont l'un, Larbi Nasseri, dit Bibi Nasseri, est devenu acteur et scénariste. Il déménage en Suisse avec sa famille dans le quartier très difficile de la ZUP du Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois. Il manque alors souvent l'école, si bien que ses parents l'envoient en internat à Montlhéry, puis dans d'autres établissements, toujours en internat. Son père l'emmène finalement avec lui travailler sur des chantiers. Olivier Dahan lui donne son premier grand rôle dans Frères, La Roulette Rouge, téléfilm pour la chaîne d'Arte, dans la série Tous les garçons et les filles de leur âge. Thomas Gilou lui confie ensuite le rôle de Nordine dans le film Rail, aux côtés de Manu Layotte, Poisson. Nasseri récolte 2 prix d'interprétation, le Léopard de bronze au Festival international du film de Locarno et une mention spéciale au Festival du film de Paris, le film Rail obtenant dans le même temps le Léopard d'or du long métrage. Une 30aine de films et téléfilms s'en suivront. Sami Nasseri a rencontré Luc Besson lors du tournage de Léon, dans lequel le jeune acteur tenait le rôle d'un policier du SWAT encagoulé. Ils se rencontrent à nouveau lorsque Sami Nasseri fait une apparition dans le clip « Né sous la même étoile » du groupe IAM. Besson confie à l'acteur le rôle de Daniel Morales, un jeune chauffeur de taxi de Marseille qui se passionne pour les voitures puissantes et la vitesse folle. C'est ce rôle qui fera connaître Sami du grand public. Le film Taxi, en 1998, atteint 12 millions d'entrées. Le succès du premier épisode a permis la production de Taxi 2, Taxi 3 et Taxi 4. Il joue également le rôle d'un militaire kabyle dans « Là-bas, mon pays » d'Alexandre Arcadie. En 2006, Rachid Bouchareb lui propose le rôle de Yassir dans le film Indigène, ce qui lui vaudra à lui et à ses partenaires le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Il est également un troisième triomphe, en réalisant 3,2 millions d'entrées tout en étant acclamé par la critique. Des problèmes de santé, ainsi que judiciaires, ont rendu sa présence à l'écran plus rare dans les années qui ont suivi. En 2012, de retour devant les caméras, il participe à la comédie française « Tip Top » de Serge Boson, aux côtés d'Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlin et François Damien, où son étreinte sadomaso avec Isabelle Huppert est l'un des sommets du film. Cette comédie est sélectionnée à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2013. Il incarne le rôle de Murph dans la pièce de théâtre « L'Indien cherche le Bronx » d'Israël Horowitz dès 2014, au Théâtre du Gymnase, en province, ainsi que dans de multiples festivals, notamment à Cayenne, en Guyane. Sami Nasseri est originaire de Paris. Il a grandi dans un quartier à la ZUP de Fontenay-sous-Bois. L'acteur a fait des années de prison à cause de plusieurs délits entre 1984 et 2011. Entré et sorti à plusieurs reprises en 2020, l'acteur était tombé dans le coma pendant une quinzaine de jours. En 2013, il dit se donner une seconde chance. La prison est derrière, ce n'est pas rien, mais on s'habitue à tout. Je ne vais pas pleurer pour ma petite prison. Dans certains pays, la tôle est bien plus traumatisante. On peut se remettre de tout, il suffit juste de croire en Dieu et d'avancer. La vie m'a donné une seconde chance. Depuis 3 ans, je sème des pierres et j'ai l'impression que chaque matin que Dieu fait, des choses se passent dans mes rencontres. Merci d'avoir écouté l'histoire de Sami Nasseri. Dites ce que vous en pensez de sa vie et nous pourrons en parler.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de partager. J'aurai un cadeau intéressant pour vous dans la prochaine vidéo. Restez à l'écoute pour eux. Merci.